Le crochet du bras arrière, c'est certainement peut-être la frappe la plus puissante, en tout cas une des frappes les plus puissantes. Donc, bah, si elle passe, elle va faire très très mal. Et la plupart du temps, après un cross, ton adversaire, il s'attend pas à un crochet du même bras. D'accord? Donc, avec ce type d'enchaînement, tu vas réussir à bien le surprendre. Je te remontre encore une fois, ça fait jab, cross, oh, hey, crochet. D'accord? Je me rapproche et je sors ma tête de l'axe pour pas rester en face. Jab, cross. Ici, j'ai bien ma protection. Je reviens, je me rapproche. Ici, donc 1, 2, je me rapproche et je vais frapper. Quand je frappe, mon crochet, attention aussi à ne pas baisser ce bras-là. Et entre le cross et le crochet, on ne va pas passer par en bas comme ceci, mais on va plutôt bien ramener ici et frapper. D'accord? Donc là, 1, 2, 3, 1.